Impressionnant, hein? Ouais, je sais. Avouez que ça vous fait rêver, les filles. On est jalouses? Oh, oh, que c'est mignon. Elles sont jalouses. Oh, mais vous pouvez vous marrer, hein? Je suis une princesse. Ah bah, c'est une question d'ambition. Et avec une robe comme ça, je suis à la hauteur de mon ambition. C'est un choix de vie, vous comprenez? Une autre vie. Je suis une princesse avec un grand P. Je vis avec un grand V. J'ai une robe avec un grand T. Oui, parce que quelque part, moi, je suis comme les autres. Hein. Mais en mieux. En mieux de quoi? Mais en mieux de tout? Ben, si vous ne me croyez pas, demandez au prince charmant. Le prince charmant reconnaît toujours sa princesse. Et pourquoi le prince charmant reconnaît-il toujours sa princesse? Parce qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que les autres, justement. Le truc, c'est que moi, j'en connais pas de prince. Des gros cons, des gros nazes, des mecs, oui. Mais des princes, non. Ah, et ça, c'est Monique qui vous le dit, hein. Oh. Oui. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais je m'appelle Monique. Ah, mais comme je suis une princesse, on m'appelle Ariel. Ben oui, Ariel. Comme la petite sirène. Bon, je sais, je ne fais pas sirène, je n'ai pas de... Et de queue, voilà. Pardon, monsieur? Vous si? Eh bien, vous êtes une sirène, monsieur! Oh, la chance! Non, non, parce que c'est difficile d'être une princesse. Ah si, c'est très difficile d'être une princesse. Surtout quand on n'a pas de prince. Ben oui, un prince charmant, beau, intelligent, riche, milliardaire. Un peu comme le Ken de Barbie, toujours hyper classe, en smoking, la dentition parfaite, pas une mèche qui dépasse, le brushing aseptisé, le mec à qui on dit oh, « Chérie, je suis vraiment désolée, j'ai embouti la bagnole. » Et qui vous répond « Ça n'a aucune importance, mon amour. Viens, je t'emmène au restaurant. Allons t'acheter une magnifique robe pour fêter ça. Oui, alors là, c'est vrai que même moi, j'ai un peu de mal à y croire, là. Quoique, soyons folles. Ah oh, oh oui, allons, mesdames, appelons-le, cet homme formidable qui doit bien exister quelque part. Et tout ensemble, hein. Fraternité. Fraternité. Et... tout ensemble, hein? Prince? 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 Principé? Eh bien, mesdames, je vous annonce que le prince charmant est officiellement en rupture de stock. C'est triste, hein? Bah c'est normal, c'est la crise. Mais le pire dans tout ça, c'est que moi, j'y crois encore. Mais en attendant de mettre la main sur lui et sur son pognon, il faut bien que je bosse, moi. Hein? Non, parce que si vous croyez que je peux m'en sortir avec ce que je gagne par mois... Non, mais c'est vrai, si vous comptez tous les trucs de filles importants à faire dans une seule journée, le coiffeur, la manucure, le shopping, le pressing, le toilettage de mon chien, les restos, les taxis, les sorties, le shit et le psy, eh bien, il me reste quoi? Hein? Il me reste quoi pour survivre? 8 792 euros par mois. La galère totale. Je suis au fond du gouffre.
Et je refuse de demander une augmentation à mes parents, hein. Donc, je n'ai plus qu'une seule solution. Trouver du boulot. Vous trouvez que ça fait princesse, vous? Bon, je suis une danseuse professionnelle. Enfin, je prends des cours de danse. À Pigalle. Et malgré mon talent quasi exceptionnel, je peux vous assurer que je rame. Donc, un jour, un chorégraphe très connu assiste au cours. Il flash sur moi. Et normal, hein, je suis très jolie et très douée. Il m'adore et il m'engage. Et bingo, je signe pour une série de défilés de mode à Dreux. Vous connaissez Dreux? Et 33 000 habitants. Enfin, 40 si ça vous fait plaisir. Hein. Dreux, le trou du cul du monde. Ah si, si, ça se visite, je vous jure. Un hiver qui dure 12 mois, le seul endroit au monde vraisemblablement oublié par le réchauffement climatique. Et puis bon, je n'ai quand même pas besoin de vous rappeler que Dreux est la plaque tournante de la mode, hein. Tout le monde le sait. Donc, à Dreux. J'ai fait salon du mariage. Ah bah tout le monde n'a pas la chance d'inclure dans son CV défilé de mode à Dreux. Et pas n'importe quel défilé, puisque c'est un défilé de mode chorégraphié. Mais là, tout commence à 7h du mat, Porte de Pantin. Bon, je dois vous avouer que passé le périph', j'ai la tourista. On s'entasse à 5 dans une Twingo. D'ailleurs, je vous conseille la place du milieu à l'arrière. Avec les accroches en plastique dur qui vous rentrent dans le... Ah, ben c'est un peu comme dans une Porsche, hein, vous voyez. À l'arrière, les fesses sur le moteur. Hein. Ça chauffe, mais bon, vous souriez. Parce que vous êtes quand même dans une Porsche. 3 jours de route pour arriver à Dreux. Par les petites routes. Ah, même le GPS a vomi. Et là, vous êtes accueilli par une... vilaine gérante qui n'a pas du tout préparé son défilé de mode. Bon, moi je m'en fous, hein. Perso, j'ai envoyé mes mensurations. Alors confiante, j'essaye. Ah, j'aime pas. Mais j'essaye. I'm a professional. Et l'agression immédiate de la très vilaine gérante à la sortie de la cabine. Mais vous n'avez pas de seins, mademoiselle. J'avais demandé une fille avec des seins. Mais ça ne se fait plus du tout, les seins, madame. Ce n'est absolument pas la pièce phare de l'hiver 2010. Hein. Est-ce que la reine Elisabeth d'Angleterre a fait une réflexion à Carla Bruni sur son décolleté, hein? Eh bien, ça m'étonnerait bien, connasse. Hein. Alors, maintenant, le défilé se passe en zappant définitivement la super chorégraphie, puisque tu n'as plus qu'une obsession, comment avancer sans te prendre le talon dans ta robe, le tout en ayant l'air d'une jeune vierge, bientôt comblée. Non, par contre, en y réfléchissant, là, le truc bizarre, c'est que les mariés n'avaient du tissu qu'à partir de la taille, et les maris portaient des strings en cuir noir, hein, avec des nœuds papes, hein, genre un chippendale. Hein. Ah bah c'était un défilé de mode, mais de mode libertine. D'où l'envie légitime de l'autre connasse d'avoir des seins comme ça. Hein. Bon, ça m'a un peu surprise, mais je suis une artiste. Hein. Et quand on m'engage, je m'engage. I am professional. Donc, I am professional à fond les ballons, sur le dos du marié, en train de le fouetter. Et là... C'est le drame. Un peu trop à fond dans ma corée, j'ai encastré mon talon aiguille dans le string du marié. Et forcément, là, bah, on me vire. Pas douée pour porter une robe de mariée, paraît-il. Moi? Moi, je ne sais pas porter une robe de mariée? Moi? Une princesse? Ok, alors je vis. De toute façon, c'était naze, Dreux. Ça pue du cul, Dreux. Et puis bon, c'est pas là-bas que j'aurais trouvé un prince charmant. Même fringué comme ça, à croire qu'il n'existe pas.
Je vous dis qu'il n'existe pas. Vous ne me croyez pas? Ok, on vérifie. Alors, qui, dans le public, a une épée, un château, un carrosse et un cheval blanc? Ça, c'est ce qui s'appelle un vent. Hein. Bon, ben, je vais vous la refaire version 2009, vous allez peut-être comprendre. Qui, dans le public, a une Porsche, une montre Cartier, une ceinture noire de taekwondo et une villa à Saint-Tropez? Et attention, hein, ça, c'est comme au loto. Il manque un numéro et la super cagnotte vous passe sous le nez. Alors? J'attends. Ben vous voyez, j'avais raison. Il n'existe pas, ce prince charmant. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, personne n'y croit. Même les petites filles, quand elles jouent à la poupée, elles savent qu'il n'existe pas. D'ailleurs, quand elles jouent à la poupée, elles prennent les mâles en fonction des circonstances. Une soirée à l'opéra, et hop, c'est Ken et son impeccable brochigne. Si elles se font attaquer, c'est Action Man qui déboule avec tous ses biscottos. Bref, contrairement aux idées reçues, nous ne sommes pas conditionnés dès notre plus jeune âge à croire au prince charmant. Ce serait même l'inverse. Mattel favoriserait les partenaires multiples, hein, voire les relations de groupe. Non, mais franchement, les filles, Ken, avec le courage d'Action Man, la voiture de Batman et le château de la Belle au bois dormant. Avouez que ça fait rêver.